Exigeante, c'est le mot poli pour dire chiante, en fait, c'est ça. Je l'aurais pas dit. Oui, on va mettre exigeante. Vous seriez prêt à vous mettre à genoux devant Edith si elle vous permettait d'obtenir ça? Mais obtenir quoi? Alors, je vais le faire de suite, oui. Qu'elle s'arrête de travailler. Ah. Pour qu'on profite de tout le bonheur qu'on peut avoir ensemble. Oui, parce que vous êtes déjà en retraite et elle, voilà, pas encore. C'est prévu pendant combien de temps, la retraite? Elle, ça dépend de notre futur président. Mais c'est un peu loin, donc voilà. Ouais. Alors tous les jours, je supplie, quand c'est que tu veux t'arrêter. Et elle vous Mais dit quoi? Elle me dit, comme c'est Sœur Teresa, qu'elle adore ton travail, et bien elle me dit qu'on en discutera un peu plus tard. Mmh, parce qu'elle aide à domicile dans son métier. Bon, donc quand elle arrêtera de travailler. Très bien, Bernard, c'est noté. Stéphane. Merci. Oui. On va en reparler encore de la fameuse voiture. Ah non, mais c'est... Non. Comme je change de véhicule tous les deux ans, là c'est ma deuxième année, donc j'ai un petit modèle qui m'a bien plu, donc je pense que je serais vraiment capable de me mettre à genoux pour avoir ce modèle-là en fin d'année. Donc madame n'est pas trop chaude encore, mais je pense que oui, je suis prêt à le faire. Bon, pour la nouvelle voiture. Ah oui, pour la nouvelle voiture. Tony. Moi je dirais, c'est peut-être un peu extrême, mais pour qu'elle soit un peu moins exigeante au quotidien, elle est... très stricte, elle aime bien que ce soit fait à sa façon, elle aime bien piloter les choses et bah, peut-être que je m'efface un peu derrière ça, même si c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi que de temps en temps, il y a un peu d'électricité. Mais qu'elle soit moins exigeante. Ouais, exigeante, c'est le mot poli pour dire chiante en fait, c'est ça. Je l'aurais pas dit. Oui, on va mettre exigeante. Comme ça s'écrit, C-H-I-A-N-T-E. Ah, Marie! Tony serait prêt à se mettre à genoux devant vous si cela lui permettait d'obtenir ça. Mais de quoi parle-t-il? Je dirais qu'il pourrait se mettre à genoux pour qu'on ait un enfant avant ses 40 ans. Donc, incessamment sous peu. En plus, on se marie bientôt. Donc, il a été question d'en peut-être faire un package rapidement. Vous avez quoi comme enfant là? Pour l'instant, c'est une moitié, hein, vous disiez en début d'émission. C'est-à-dire que Tony c'est en a moitié, un. Mais c'est son entier, voilà. Très bien, c'est ça. Et c'est pour quand les 40 ans, Tony? Oh non, il y a encore le temps quand même. Encore 4 ans et demi. 4 ans, très bien. Oui. Bon, est-ce qu'il nous a parlé de l'enfant, Tony? Que nenni. Et non. Lui, moi, il se mettrait à genoux si vous étiez moins exigeante. Ah bon? Mais je suis super cool. Corinne. Alors moi, ça revient encore sur les voitures. Comme c'est un passionné de voitures, il veut la changer là, donc il se mettra à genoux pour changer sa voiture. Oui. Ah oui, donc on tourne autour. Il en serait capable. Ah bah toujours. Ah oui, c'est un passionné de voitures. Stéphane, il nous a parlé de voitures. Ouais. Et alors, chère Edith, pourquoi serait-il prêt à se mettre à genoux, Bernard? Eh bien, lui, il est retraité, moi, je suis en activité, et je pense que ce qui lui ferait le plus plaisir, c'est que je m'arrête de travailler. Mais bon, j'ai encore quelques années, moi, à passer, quand même, pour payer sa retraite, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, et bim, partant de là, ce serait pour que je m'arrête de travailler. Bernard, c'est en effet ce qu'il nous a dit, que vous arrêtiez de travailler.